Régent de Zelda, autrefois le prince sombre, Ganon. De Zen à Ganon ? Quoi ? Voilà la Triforce du pouvoir princesse Zelda possède la Triforce de la Sagesse qui s'est posée en 8 parties pour cacher Ganon avec du Zen. Putain, ça me casse les couilles, cette légende de merde déjà. Bonjour à tous, c'est Mister Scrooge. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode de notre nouveau Let's Play sur The Legend of Zelda sur NES. Bon alors, cette intro... Désolé. Pour la fois que je vois les trucs, est sérieux. Enfin, je me disais bien, il y avait un truc à faire dérouler, mais bon, avoir Ganon avec deux zones, ça m'a un peu choqué. Bon. Eh bien, bah écoutez-moi, vous avez voyé tous les objets de défi au cours du jeu dans lesquels je vais me... Avec lesquels je vais devoir me démerder plutôt. Triforce, ok. Please look up the manual for details. Non, je n'ai pas de manuel. Alors, comme vous voyez, j'avais déjà fait une partie test histoire de voir comment et tout. Bon, avec. Voilà. Donc, je vais faire une nouvelle partie. Déjà, ok. Alors, pourquoi Zelda 1 sur NES ? Alors, au départ, j'avais fait un live sur. Putain, mais pourquoi je m'appelle Hashim ? Putain, je suis con. Non, retour. Putain ! Ça commence bien. Ok. Alors. Voilà, parce que c'est un héros, hein, merde. Putain, là, je m'engueule déjà avec les commandes. Voilà, Link, hein, pas H-Sim. D'habitude, je m'appelle H-Sim, mais là, non, c'est une, désolé. Alors, ok, donc ça, c'est bon, ça. Putain, vas-y, je déteste ce... Ah ! Putain ! C'est qui a inventé ce truc de merde ? Ok, Link. L. I. N. K. Ok, je pense que c'est bon. Première sélection. Ok, je sais pas qu'est-ce qui... Voilà, merci. Donc, bon, on va jouer sur Link et pas sous... Eh bien, écoutez, bah alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce Let's Play ? Tout simplement pas. Bon, j'avais fait un live test sur ZA2 et puis il se trouve qu'en fait, à l'époque, j'étais assez rebuté par le fait que soit old school et graphisme et tout, que surtout ZA2 apparemment est assez dur. Mais en fait, ça m'a pas du tout rebuté le graphisme. J'avais même envie de dire que quelque part, bah, ça renvoie aux choses. Enfin, ça nous concentre en un seul point, quoi. L'aventure, pas juste. Et pas. Enfin. Justement, plus que de simples graphismes ultra beaux et tout, qu'on peut voir dans Skyward Sword ou Twilight Princess, quoi. Non, je ne peux pas activer tout, je serais malin de connard. Et puis, bah, voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas Zelda... Alors, pourquoi pas Zelda 1, quoi, faut bien commencer par un début. Alors, à la base, je voulais faire Pikmin. Enfin, j'allais même faire un sondage, puis c'était Pikmin qui avait gagné. Le problème, c'est qu'évidemment, j'ai eu un énorme bug d'enregistrement, du coup, je ne peux pas tourner Pikmin. En fait, je pourrais, je pense, si je réduisais le format d'enregistrement, c'est-à-dire que là je tourne en 16/9, si je réduis en 4 tiers, ça aurait pu faire. Mais le problème c'est que maintenant que je suis conscient que je peux vous donner en 16/9, quoi, je peux pas vous donner en 4 tiers. Donc du coup, je vais voir ce que je peux faire. Et puis aussi, un deuxième problème, c'est que c'est affreusement long déjà d'enregistrer, tandis que là c'est un jeu NES et ça va ultra vite. Et puis je pense que j'aurais peut-être même plus de plaisir à jouer à Zelda qu'à Pikmin. Alors, donc c'est parti, hein, écoutez, let's go! Ah voilà. Donc eh bien, waouh, nous sommes largués en pleine nature. Bon, je vous augmente un peu le son quand même. Et puis je ne sais déjà. Aujourd'hui, bon, je pense que je sais pas si je vais faire un truc bon. Enfin, j'aurais déjà. Il me semble qu'il y a un truc quelque part. Donc là, la musique, bon, musique pour tous ceux qui ont déjà joué à Zelda, bon, je pense qu'ils connaissent, hein, bien entendu. Ça, c'est la toute première musique. Bon, du 8 bits, hein, bon. Alors les environnements, je sais pas en quel on est, mais ça va pas loin, hein, bon, ça va pas très loin, c'est pas intéressant. C'est dangereux d'aller seul, prends ceci. Ouais, j'ai une épée. Alors épée qu'on touche, voilà, avec la touche M chez moi, allez savoir pourquoi. Et puis donc, bon bah, alors pour ceux qui connaissent bien Zelda, en fait, moi, apparemment dans les Zelda un peu plus récents, en fait, une sorte de rayon laser que vous voyez, alors en fait, on pouvait pas faire tout de suite. Par exemple, je me souviens d'un Minish Cap, et
il fallait par exemple faire des quêtes, je sais plus quoi, avec des mètres de VP, je sais pas quoi, pour débloquer. Donc ça, on a tout de suite. Et donc ce rayon magique, eh bien, bah on a full vie, donc c'est déjà c'est pratique pour un début, quoi. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on va droit à l'essentiel. C'est-à-dire que là, il sait que, mec, on a une princesse à sauver. Ah, un rubis. Et puis, eh bien, j'aimerais éviter de perdre de vie contre des obstacles de merde. Ah ouais, je peux tirer derrière. Ah ouais, quand même. Alors, je ne sais pas où elle est, donc je vais au pif. Tiens, je vais par là. Et puis, eh bien, et là, on va direct droit au but. Avant, on doit se taper, je sais pas quoi. Ah non, mais Skyward Sword. Bon, les débats sont... Il y a beaucoup de débats sur Skyward Sword. Moi, enfin, j'ai pas joué en entier. Putain, ça doit porter ces merdes. Mais au début, j'ai juste détesté l'intro. J'ai détesté, ça m'a écœuré. Donc du coup, après, j'ai pas eu forcément... Je peux pas avoir un avis objectif sur le jeu, hein, je sais bien. Mais bon, j'ai pas du tout aimé. Putain, heureusement, ça ressemble plus à du Star Wars que du Zelda, quand même. Je m'en rends bien compte, hein. Putain, connard. Mon rayon magique. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Ah, 5 rubis, quand même. Alors, je ne sais pas par où c'est, ça a pas l'air d'être pas si les ennemis sont aussi balèzes. On va. Là, je pense que ça peut être une bonne indication pour moi, parce que je rappelle que c'est un let's play découverte, hein. Je ne connais pas du tout le jeu, juste, il me semble que je suis baladé un peu, et déjà, je suis au bord du game over, putain de conneries, de... Je sens que je vais perdre déjà, cette magique. Faut faire vraiment gaffe, putain, donnez-moi des cœurs, enfoiré. C'est pas que dans Zelda 2 que vous donnez rien. Putain, allez, donnez-moi des cœurs, je veux un cœur. Donc je risque de me trouver dans cette situation pendant pas mal de temps. Pourquoi je me bats par là? Je sais très bien que c'est pas par là. Donc on va passer par là. Putain, j'ai hâte de débouffer cette merde. Ok, donc donne-moi un cœur. Putain, non. Voyons voir. Oh putain, voilà. On va essayer de ok, il y a un peu. Ouais. Je suis en pause. Elle vient de mettre le menu. Ok, elle est gentille, elle m'a mis, mais elle m'aide pas beaucoup là. Non, elle m'aide pas du tout. Elle m'aide pas. Ah oui, au fait. J'ai l'air de tenir le coup comme ça, mais je déteste ce bruit qui m'annonce que j'ai crevé. Je le déteste. On va essayer de récupérer de la vie en vitesse. Ah, j'ai utilisé mon bouclier. Il me semble que si je bouge pas, mon bouclier s'active. Attendez, je vais essayer. Allez, amène tes bouts, toi. Putain. Évidemment. Si le truc il me fonce dessus, ça marche pas. Ok. Oh putain, non, je pense pas que ça doit... Ça doit pas être par là. Putain, je suis paumé. Je suis paumé. Oh putain. Toi, je vais te virer. Putain, je me suis gouré de touche. Ok. Rêve. Un cœur. Youpi. Ah, putain, mais je ne sais même pas où je vais, quoi. C'est dire. Je suis sûr que c'est pas pareil, pourtant j'y vais comme un con, parce que je sais qu'il n'y a pas le moyen des cœurs. Putain, on a trois. Quoi? Il y en avait un troisième. Putain, sa mère. Bon, déjà game over, hein. Je vais continuer, connard. Je vais pas sauver. Non. Continuer. Bon, ouais, j'ai toujours mon épée, c'est déjà ça. Bon, bah, je change souvent crevé, surtout que c'est un aspect découvert. Bon, j'allais par là. Je pense pas que ça doit être par là. Ok, il y a un truc là. Ok, bon, ça y est, c'est. Ok, je confonds encore. Touche un cœur. Crève. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, allez, achète un truc. Ouais, j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre. Pas assez de rubis plutôt. Alors, je ne sais pas où on va aller. Hein. Peut-être je vais faire un épisode court et puis... Je pense que s'il y a un donjon, je vais essayer de vendre un donjon, mais déjà, il faudrait que je trouve... Puis je pense que je vais pouvoir vous parler un peu de moi et Zelda, je pense que... Enfin, moi et Zelda, moi et... Je Zelda, putain, je me suis fait niquer par Vioctor tout pourri de... Ah bah attends, je suis déjà passé par là, je suis con. Attendez. Bon. Ok. Je sens que je vais avoir du mal sur Crévé. Je vais avoir du mal. Alors, on commence, continue. Alors, bon, cette fois, je vais passer par là. Ouais. Je vais passer par là. Ok, des docteurs, donc, pour le moment, ça a l'air d'être le chemin. Il doit y avoir un donjon, pas loin, enfin, j'espère. Je vais
passer devant. Ok, toi, j'ai eu Ruby. Ça, ça ressemble vraiment à du Star Wars, ce que je fais, quoi. T'as pas de distance et... ouais, je sens que c'est pas par là. Je sens que c'est pas par là. Du coup, je vais monter. On doit suivre aux ennemis, je pense. Hein. Il y a des Zoctorok. On tape les Zoctorok, putain, Ruby. Ok. Non, je vais éviter de perdre d'avis comme un con. Alors, si vous avez n'importe quelle indication à me donner, je pense notamment à Etopie, par exemple, qui devrait regarder cette vidéo et qui devrait dire « Oh putain, le con, mais quel noob !» Etopie, coucou à toi. N'hésitez pas à me donner des conseils. Parce que là, je sens que je vais galérer à fond, et puis je pense que vous n'apprécierez pas que je retourne au même point de respawn à chaque fois. Bref. Ok. Ok. Ruby. Ok. Putain, attention. Attention, Hashim. Attention, Link. Non, Link, il faut dire Link. Ah. Ok. Voyons voir. Putain, mais je crois que j'ai le tour du lac, en fait. Là. Je suis con. Ok. Non, non, c'est pas par là. C'est pas par là. Enfin, je crois. Non, c'est pas par là. Putain, je me suis embarqué dans un truc. Je sais. Ok, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Hey, achète un truc, putain connard. Je ne sais pas où jouer, hein. C'est fou. Putain, putain d'araignée de merde. Putain, même dans 8 bits, ils sont chantres. Ok, c'est quoi ça? Oh, c'est invincible. Ah ouais, oh putain, c'est trop fort. T'as des bonus comme ça? Oh, c'est trop bien. Ouais, merci Ruby. On va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ok, donc là, j'ai l'air de retourner dans le coin des Octorok. Je vais faire gaffe quand même parce que j'ai pas beaucoup de vie. Et puis ces trucs, ça tape bien à distance. Bon, on va monter. Oh, une fée. Une fée. Waouh. Ok. Donc là, c'est un point pour se soigner. D'accord. J'ai compris. Ok, je m'en souviendrai. J'ai pas de cas. J'ai pas de coin de surmonter. Donc du coup, j'ai oublié 2 jours après. Mais c'est pas grave. Putain, c'est quoi ces merdes? Ok. Ok, des Octorok, c'est là, c'est pas. De toute façon, je suis en train de me paumer comme un gros con. Au moins, quand je serai en donjon, moi, je me suis dit, ce sera un minimum inerte. Oh, putain de connard. Bref. Donne-moi un cœur. Non. Bon. Ouais, parce que là... non, là, par là, c'est là que donc, c'est pas par là, je pense. On va passer par là. Putain, je suis paumé. Il va y avoir un truc où aller. C'est pas possible. Il va y avoir un endroit. Oh, putain. J'en ai marre, c'est monstre de merde. Je suis déjà passé par là. Voilà, je suis paumé. Je suis paumé et j'ai pas de carte, donc du coup on dit c'est, je suis un point vert au milieu de je sais pas quoi, donc bon, ça m'arrange bien. Ok donc hop, je suis déjà passé par en plus. Ah non, attendez, ah non, attendez, il y a un truc là. Il y a un truc là, j'en suis certain. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un donjon. Est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas. Je sais même pas si c'est un vrai donjon ou pas, donc je pense tout simplement que je vais vous laisser là. Je vais ressortir. Eh bien aujourd'hui, juste vous parler un peu de Zelda, parce que bon, je vous l'avais dit. Putain, on a un cœur sur en plus. Est-ce que tu as donné un cœur toi? Putain, mais t'as dû fuir. Je pense que je vais faire ça en vous parlant, c'est-à-dire que je vais ressortir. Je rentre histoire de refaire paraître Octorok qui n'est plus à vie. Là, putain. Voilà, ok. Alors moi Zelda, bon, c'est une histoire pas forcément d'amour, parce que ce n'est pas vraiment la licence que je préfère par-dessus tout, mais c'est une bonne licence que j'aime bien. Alors, connard. Oh putain, Octorok de merde. Ok. Alors, le premier Zelda que j'ai joué, que j'ai fini entièrement, enfin, que j'ai fini à 100%, tout ça, tout ce que vous voulez, c'était Wind Waker, donc sur GameCube. Putain, je suis en train de perdre de la vie, en fait. Genre, je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaie d'en niquer, je perds de la vie. Donc, du coup, je pense que si je fais encore un truc de vie, je vais m'arrêter. Ah, putain! Ok. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était une idée à la con ce que j'ai fait. Donc je vais m'arrêter là. Mais on va. Bon, je vais buter un dernier parce que bon, voilà, je suis rentré en dedans. Ok, donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer comme ça. Putain, il va me... C'est chiant! Grève! Voilà, ok, j'essaie.
Ah non, mais avec le son, ça va pas faire, bon. Alors, donc, Wind Waker, bon, oui, enfin, j'ai vraiment kiffé, je pense que ça reste mon Zelda préféré, mon tour de Ocarina of Time, pour des raisons objectives, bon, blablabla. Moi, c'est Wind Waker. Et puis, bon, j'ai joué à plusieurs Zelda, hein, bon, en 30 ans, j'ai joué à Ocarina of Time, bien entendu. J'avais bien aimé aussi, mais je préfère quand même Wind Waker, je sais pas pourquoi. Et puis, bon, voilà, puis, bon, avec les nouveaux Zelda qui sortent, en fait, je me... Skyward Sword, non, bon, j'avais parlé un peu de Skyward Sword avant. Skyward Sword, ce n'est pas un jeu que j'apprécie. Bon, l'intro, je la trouve à chier, tout simplement. J'ai joué un peu, enfin, juste après, bon, niveau gameplay et tout. Enfin, je suis arrivé au premier donjon, il me semble. Et je dois arrêter, bon, pour des raisons personnelles, enfin, j'ai autre chose à faire, quoi, que de jouer. Bon, j'avais bien aimé, mais enfin, bon, je vois au niveau des graphismes, ils ont essayé de faire un truc entre Twilight Princess et Wind Waker. Bon, j'aime bien Twilight Princess, je préfère Wind Waker aussi. Mais faire entre les deux, enfin, je trouve que c'était pas... Il y en a qui trouvent ça beau. Moi, je suis perplexe, quand même. Et voilà, donc je me suis rendu compte que c'est dans... Putain, j'allais sortir, c'est dans UVPO qu'on fait meilleure marmite, mais évidemment, non, c'est pas ça. Soupe, je pense, ouais. Et puis, bah voilà, je voulais tester, donc, les jeux rétro Zelda. Enfin, voilà, je voulais tester ça, et puis, voir. Comment j'avais galéré, je pense, parce que c'est sans totalement découverte. Donc, ouais, donc, apparemment, je suis devant le premier donjon. J'avais quasiment plus de vie, j'ai fait con, donc je suis désolé. Et puis bah j'espère que ce premier épisode vous aura plu, et puis on se retrouve de toute façon pour la suite bientôt. A plus, salut à tous.